Sur le marché des devises ce jeudi, la confiance semble de retour. Les craintes des cambistes s'apaisent. Plusieurs éléments ont permis l'accalmie. D'abord en Grèce, une partie de la tranche d'aide a été débloquée par la zone euro, ce qui permet au pays de ne pas faire faillite. Et puis, les investisseurs se sont fait à l'idée que de nouvelles élections législatives étaient sans doute l'issue la plus probable le mois prochain. Autre élément qui soulage en Espagne, la quatrième banque du pays en difficulté va être reprise par l'État. Il s'agit de Bankia. Le gouvernement a d'ailleurs déclaré qu'il présenterait vendredi des mesures d'assainissement et de redressement pour le secteur bancaire. Dans ce contexte, l'euro regagne du terrain face au dollar. On est à 1,2970 pour 1 euro à l'ouverture de Wall Street. Du côté de la parité euro-yen, même chose. La devise européenne redresse la tête. On est à 103,64 yens pour 1 euro. Enfin, sur la parité dollar-yen, la devise américaine garde l'ascendant. On est à 79,90 yens pour 1 dollar dans les premières transactions à la bourse de New York.